Hello, hello tout le monde. On espère que vous allez bien en ce petit lundi, que vous avez passé un très bon dimanche. Ici, c'est très très bien passé. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Charlie, mais on lui a fait hier parce que du coup, bah, aujourd'hui, elle était en cours, elle finit tard, le temps de prendre le car, etc. Elle va rentrer vraiment tard, donc c'était pas possible vu qu'il y a l'école le lendemain, tout le monde travaille et tout. Donc, voilà, on a décidé de faire ça hier soir. Je lui ai préparé une petite tartiflette, un petit gâteau. On a mangé le gâteau l'après-midi, comme c'est ma soeur et mon neveu. Et comme ça, au moins, ils ont pu être là pour au moins le gâteau qu'elle souffle ses bougies. Puis le soir, on a fait une petite bouffe avec ma mère. Et puis voilà, aujourd'hui, école pour tout le monde. Charlie est en train de finir de se préparer. Eux sont tous prêts. Vous avez vu qu'ils sont tous en train de geeker, de regarder leur téléphone, de faire des jeux, tout ça, bref. Et du coup, bah écoutez, voilà, on va les amener tranquillou d'ici 10-15 minutes. Et puis, la journée démarre, bien que ça va être une journée un peu repos, un peu tranquille. On va chiller un peu parce que du coup, hier, quand tout le monde est parti à 9h, je crois, un truc comme ça, moi, j'avais fait tout ce qu'il y avait à faire donc sur le haut. Samedi à fond. Ensuite, j'ai fait hier matin tout le bas au niveau, tout ce qui est poussière, tout ça. Et du coup, mon chéri m'a dit, écoute, quand tout le monde partira, ce soir, je ferai les sols. Comme ça, on sera tranquille pour demain, tout sera propre. Et voilà, tu pourras en profiter pour te poser un peu, pour te reposer, puis on pourra chiller un peu. Voilà, on verra ce qu'on fera. Ce soir, j'ai la réunion parent-prof de Myron. J'ai quelques coups de fil à passer ce matin, etc. Et puis voilà, après on verra ce qu'on fait. Ben voilà, on va voir ce qu'on va. On va meubler, on va dire, la journée. Voilà. Bon, sinon, on espère que vous avez passé donc un bon dimanche. Dites-moi ça en commentaire. J'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air si le vlog vous a plu surtout. Et de me marquer un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez ici pour la première fois. Parce que ben, du coup, mine de rien, quand vous lâchez des pouces en l'air, ça nous aide drôlement. Vous ne vous en rendez pas compte, vous qui regardez. Mais ça nous aide beaucoup pour notre évolution sur YouTube en tout cas. Bref. Allez, je vais glander 5 minutes et après ben, on va mettre nos chaussures tranquillou et tout. Et j'accompagne tout ce beau petit monde. Et quand je rentrerai, je prendrai mon petit déj. Enfin, mon petit déj, non, je vais juste prendre un cappuccino ce matin. Ça me suffira bien. J'ai encore la. Comment ça s'appelle ? La tartiflette, merci Alison. La tartiflette hier soir sur l'estomac et surtout sur le foie. J'ai mal au foie ce matin, c'était un petit peu trop gras pour moi, je pense. Donc voilà, écoutez, je vous fais des bisous, on vous dit à tout à l'heure. Bon, j'ai déposé tout le monde. Mais je pars vite en ville parce que Charlie a oublié ses chaussures de cuisine. Le repos avec eux. Hein, on y croit. Du coup, ben, je me speed. Enfin, j'essaye parce que les jambes elles sont en train de me défoncer. J'essaie de marcher le plus vite que je puisse. Et je vais vite lui amener. Mais le car, il est dans même pas 10 minutes, je crois. Mais là, c'est pas possible, je vais pas taper un sprint. Autant vous dire que même marcher vite, déjà, j'ai plus de jambes. Donc, bah, j'espère que j'arriverai à temps. Voilà. Puis j'espère que son car n'arrivera pas à l'avance, comme la dernière fois, et qu'après je doive, moi, galérer à l'amener. Ça serait pas mal. Je vous reprends vite fait. Du coup, il est 11h15. J'ai fait que de la paperasse depuis ce matin. J'avais plein d'appels à passer, un truc de fou, mais des trucs importants, donc il fallait absolument que je m'en occupe. Et là, du coup, je suis en train de faire, je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois dans le dernier blog, je vous disais que j'avais acheté un petit calepin pour noter mes idées de recettes, de plats qu'on avait envie de manger, et que sur chaque feuille,
Je note en fait genre la recette pour certains plats que j'ai jamais fait, comme ça je peux noter la recette dessus. Et pour les autres que j'ai déjà fait, noter juste les ingrédients. Et comme ça, quand je vais faire mes courses, je sais que si je veux manger ça, ben, je regarde la feuille, je dois acheter ça et je le note directement sur ma liste de courses. Voilà. Pour ceux qui n'auraient pas suivi dans l'ancien truc, le chéri s'est réveillé entre-temps, bien évidemment. Et du coup, Andrew lui a demandé si on pouvait aller sur Avignon, il veut échanger des jeux, tout ça, Micromania, blablabla. Et du coup, moi, je me suis rappelé que j'avais 35 euros à dépenser où je voulais, n'importe où. C'était une carte que j'avais eue du CE à l'époque, quand je travaillais. Et du coup, j'avais reçu ça. Donc, chérie est en train de se préparer et nous allons aller faire un petit tour sur Avignon. Avec le petit gros, on va aller le chercher et voilà, on va aller faire ça du coup. Je verrai ce que je vais me prendre, je ne sais pas encore. Il faut que je regarde en fait chez qui elle est valable. Mais je sais pas s'il n'y avait pas Kiko aussi. Comme c'est moins cher chez Kiko, peut-être j'aurais peut-être plus de choses si je prends chez Kiko. À voir, je ne sais pas, on verra. Et voilà quoi. Donc je continue ça du temps qu'il se prépare et qu'on finisse. Il faut que je range mon bazar aussi, parce qu'en fait il y en a partout. Ça y est, moi j'ai fini de préparer. Ça y est, t'as fini? Bon, bah non, en fait je vais arrêter et puis on va y aller. Où allons-nous? Chercher Andrew. Ça rime. C'est Dora C'est ce l'exploratrice. que j'allais On dire. part en exploration, mon cœur. En exploration à Avignon. Waouh! Quand j'ai ma voix, elle part en cacahuète. J'ai un chat. J'ai un troupeau même de chats dans la gorge, je crois. En tout cas, déjà, il fait beau. Et ça, c'est bien. Mais après, il va faire trop chaud cet après-midi. Tu vois, il n'y a pas de juste milieu. Le matin, il fait frais. On est bien. Après, il fait chaud. Moi, je veux juste le soleil, mais sans trop la chaleur. Juste que tu es bien là. Vous en pensez quoi? Ouh, les petites pommes, elles deviennent rouges. Action. Il est parti changer ses jeux, lui, là-bas. Et on va à Décathlon, on va prendre des chaussures pour mon bébé, pour le basket. Des baskets pour jouer au basket. Bon, les amis, je vous reprends. Il est presque 17h. Il est moins 20, un truc comme ça. Du coup, le chéri est en train d'attendre Maëlys au car. Là, les loulous sont en train de finir au collège et moi, je vais à leur rencontre parce que j'ai la réunion parents-prof de Myron. Donc, je vais à leur rencontre. J'y vais tranquillement à pied, comme ça me fait marcher encore un petit peu. J'ai marché ce matin, moi, ça me fait marcher encore un petit peu maintenant, c'est pas mal. Et puis voilà, il fait super lourd encore. Le temps est vraiment en train de se couvrir. Là-bas, au fond, il y a des nuages, mais noirs de fou. J'espère que je ne vais pas me prendre une rincée quand je vais rentrer, puisque je n'ai pas pris le parapluie. En plus, j'ai dit que je le prendrais avant de partir et j'ai oublié. C'est pas grave. On verra bien. Bref, comme ça, après, le chéri, lui, va amener Myron à son second essai de basket. Donc voilà, normalement, c'est bon. Il devrait faire son année de basket. Il est motivé, ça lui plaît et tout. Donc, c'est pour ça que je lui ai acheté les chaussures, d'ailleurs. Pour le coup, je n'ai pas utilisé ma carte cadeau que je vous disais. Je crois que je vous le disais tout à l'heure. Je l'ai utilisé pour Myron, du coup. Je me suis dit, au moins comme ça, bah, ça lui fait avoir ses chaussures de basket. Moi, j'aurai bien le temps plus tard de me faire un petit plaisir. De toute façon, je préfère mettre de côté en attendant pour me prendre ma licence chez mon nouveau fournisseur. Voilà, j'ai très très hâte. Donc voilà, bref, tout ça, je vous en parlerai au moment venu. En attendant, allez, on se motive, on va aller voir tous les profs. J'adore ce genre de réunion qui dure une plombe et qui t'apprend au final pas grand chose de plus que ce que tu sais déjà. Parce qu'il y en a déjà deux qui sont passés par la quatrième, donc on sait un petit peu les programmes, mais ça change pas trop, j'ai envie de dire. Donc, mais bon, au moins on va voir la méthode de chacun, tout ça, et puis ça nous permet de rencontrer quand même une fois les profs et savoir à qui on s'adresse quand on a besoin de s'adresser. Bon, les amis, on vous reprend un petit peu beaucoup tardivement. Ils m'ont foutu des M&M's de partout sur le canapé. On en parle de la glace aux M&M's partout sur le canapé? Bon, du coup, je vous disais qu'on vous reprend un petit peu tardivement. Attendez, parce que je suis handicapée du dos, là. Je suis en train de galérer. Oh, punaise. La réunion parents-prof, c'est fini hyper tard. Mais genre 18h30, je crois que je suis arrivée, même un peu plus tard. Donc, du coup, c'était franchement la cata. Vraiment, vraiment. En plus, j'avais prévu de faire un live avec vous sur Instagram. À 21h, mais bon, du coup, je suis arrivée un petit peu en retard. En plus, Maëlys, elle avait mal au pied.
Elle doit faire encore une poussée de croissance et du coup, elle a mal aux pieds. Mais comme ils m'ont tous fait, je crois. Je crois que tous, ça leur est arrivé ça, hein, quand ils faisaient des poussées de croissance, d'avoir mal aux pieds comme ça. Elle dormait, hein. Elle s'est réveillée en pleurant d'avoir mal aux pieds, bref. Donc, je l'ai massée, j'ai donné un motoliprane, tout ça, tout ça. Donc, ça m'a retardé un peu dans le live, mais tant mieux, parce que bah, du coup, de toute façon, c'était trop la course. Parce qu'en plus, Myron, il a fait un deuxième essai là, de basket et du coup, il a fini, je sais plus à quelle heure il était. 8h moins le quart. Donc, le temps que voilà, il rentre, qu'il mange, qu'il fasse les devoirs, parce que les profs, ils sont trop comiques. Ils nous mettent une réunion parents-prof à 17h qui dure jusqu'à presque 18h30. Mais ils ne se disent pas qu'à un moment donné, s'ils donnent des devoirs aux élèves, c'est un peu compliqué de les faire faire, vu qu'on n'est pas à la maison. Voilà. Donc, il a fallu faire ses devoirs. Il avait commencé un petit peu quand il était rentré, lui, mais voilà, il a fallu qu'on fasse finir les devoirs et tout. Donc, on a fait tout ça. Et puis, après, Charlie, ça lui a pété la lubie d'un seul coup de vouloir manger une glace de McDo, parce que c'était son anniversaire, mais au moins ce petit plaisir. Donc, ben, ils sont partis avec le chéri chercher une glace de McDo. Et nous, en attendant, ben, j'avais commencé mon live, etc. On a commencé le live tranquillou et là, on vient juste de le finir il y a quelques instants. Les loulous sont montés un petit peu plus tard que prévu. Il était 10h moins 20, je crois. Bon, c'est beaucoup plus tard quand même que d'habitude. Mais voilà, bon, c'est exceptionnel. Et puis, de toute façon, les grandes, elles ne s'endorment pas tout de suite. D'habitude, il n'y a que les deux petits loulous. Mais là, ça y est, Maïs adore déjà de nouveau. Et à mon avis, Myron, ça doit être pareil parce que vu dans l'état qu'il est rentré du basket, il était rouge écarlate. Ils ont fait des pompes et tout. Il leur fait faire des trucs de ouf. C'est un truc de malade. Le gamin va revenir, il va ressembler à un musclore, quoi. Mais en tout cas, il a l'air content. Ça a l'air de lui plaire. Donc, tant mieux. Donc, voilà, ça nous a fait plaisir de blablater avec vous sur Instagram. Et maintenant, ben, ça va être un peu de repos. En plus, je me suis bloqué le dos. Je ne sais pas si c'est d'avoir été assise pendant 300 ans sur leur petite chaise dure là, de l'école. Mais je te jure qu'à droite... Je sais pas qu'est-ce que c'est qui est pincé. Quand je fais ça, là, en bas du rein, ça me fait hyper mal. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va me sortir du dos. Il y en a marre. J'avais rien tout à l'heure. J'avais rien. Je suis partie en marchant et tout. J'ai même là, ça m'a pris tout à l'heure. Même quand j'ai fait les devoirs à ma mère en la table et tout, ça m'a pas. C'est d'un coup que ça m'a pris. Comme d'habitude, comme d'habitude. Ouais. Donc on va aller prendre une bonne petite douche après. Ça va faire du bien. Oh, j'ai hâte qu'il fasse froid et qu'on se retape des bains. Je te jure, j'ai hâte. Il fait trop chaud pour prendre des bains, c'est mort, c'est pas possible. Mais l'hiver, quand il fait froid, là, il faut éteindre le bain. Oui, non, j'ai trop hâte. On va pas en faire 500 non plus, parce que bon, il y a eu la piscine à remplir cet été. On va éviter de viser trop d'eau. Bonjour, très bien, cet hiver, on s'en fout. Bon, bref, du coup, on vous laisse. Je vais commencer à monter un petit peu ce vlog. Oh, on a un petit peu de temps quand même, tranquillou, là. On montrera un peu plus tard. Bon, on vous retrouve demain. Hello, hello tout le monde. On espère que vous allez bien ce matin. Ici, ça va, il est 7h15, tous les loulous sont prêts, ils viennent de finir les sacs, etc., etc. Parce que du coup, j'ai dû partir en trombe. Charlie, je crois qu'elle va me faire le coup toute la semaine, en fait. Elle avait encore oublié quelque chose, Charlie, ce matin. Mais par contre, j'ai pas pu partir à pied, comme hier, parce que là, j'aurais clairement pas eu le temps. Elle a oublié ses masques, donc autant vous dire que pour prendre le car et pour aller à l'école, c'est un petit peu compliqué, sans masque. Donc, ben... Voilà quoi, je suis vite partie, j'ai pris la voiture, je suis partie en trombe pour la ramener parce que bah, 2 minutes après, elle partait dans le bus. Et moi, j'ai mal aux jambes. Et Maddy, elle a mal aux jambes. Non, vous savez, hier soir, elle avait mal aux pieds, je vous disais, je crois que, je sais plus si je vous le disais, ou si c'était sur Insta quand j'ai fait le live, je ne sais plus, bref. Elle a eu comme une crise de... Elle s'est endormie hier soir et puis après, elle s'est réveillée en ayant comme une crise de croissance, comme ils me font des fois, la mal dans les jambes, les pieds surtout. Et du coup, elle nous a fait un caca nerveux. Et après, ben là, maintenant, du coup, elle a mal aux jambes. Voilà. Bref, quoi de prévu aujourd'hui? Franchement, pas grand-chose. Vraiment, vraiment. Baissez un peu le son, les amours, là. Donc voilà, franchement, rien de spécial, sinon planning du jour aujourd'hui. Je vais remettre Maurice pour qu'il refasse un petit coup tranquillou d'aspi, là. Demain, je ferai les soins à fond, demain matin. Il n'y aura que Maïlis, donc pendant qu'elle regardera les dessins animés tranquillou ou quoi, bah, je ferai ça tranquillement avant que tout le monde rentre le midi. Et puis voilà, aujourd'hui ce sera rien de folie. Je vais faire un petit mot à la maîtresse à Maïlis quand même, parce que comme elle a rugby cet après-midi,
Je vais quand même la prévenir que au niveau de ses jambes, c'est pas le top. Pas qu'elle est mal et que la maîtresse râle ou un truc comme ça, bref. Et sinon, ben voilà, je déjeunerai quand je les aurai amenés, enfin déjeuner. Je vais prendre mon cappuccino. Et voilà, rien de fou. Qu'est-ce que j'ai à faire sinon qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai dit que je devais faire un truc ce matin. Continuer à faire mon petit calepin avec les recettes et tout. Je me suis dit autre chose. Ah oui, cet après-midi, j'ai... rendez-vous à la banque. J'ai rendez-vous ce soir, réunion parents-prof. Et ce matin, j'avais pas un truc. Je vais le laisser là-bas. Je vais aller regarder. Il me semblait que j'avais un truc, mais je ne sais plus quoi ce matin. Ah oui, j'ai un appel. Un appel avec Marion. Ça y est, je viens de trouver dans mon cerveau ce que c'était que j'avais. Donc voilà, c'est juste un appel téléphonique. Donc tout va bien. Et puis voilà quoi. Bon, midi 15, je l'ai réveillé depuis un petit moment maintenant. Et j'ai l'estomac qui est gros, gros, gros. Moi aussi j'ai faim. Mais j'ai envie de rien de ce qu'il y a dans le frigo. Mmh. Je sais même pas de quoi j'ai envie en vrai. À vrai dire. Il pleut. Mais j'aime bien. Moi aussi. Il n'y a même pas la télé allumée, c'est calme. Tu prends un livre et tu lis. D'ailleurs, je vais attaquer à lire celui-ci. Parce que j'avais fini. C'était quoi le premier? C'est des livres sur le développement personnel. Oser l'optimisme. Exact. Il était super bien. Je l'avais bien aimé. J'en ai un troisième, un tout petit aussi. Là, je ne sais plus le nom. Bref, c'est pas grave. Un petit livre du lâcher-prise. Lâcher-prise, celui-là. Il faudra bientôt que je le lise. aussi. Donc, du coup, je vais peut-être commencer à lire ça. Comme je vous disais, ce matin, j'avais rendez-vous à la banque aussi. Mais j'ai complètement oublié parce que c'était pour... Oula, Phoenix s'est secoué dans la cage. C'était pour voir pour une nouvelle ligne pour Myron. La prendre aussi à la banque avec les nôtres, en fait, puisque lui, sa ligne à lui était chez Free. Et puis, du coup, c'est moins cher à la banque. Et puis, au moins, autant tout regrouper, quoi. Donc, voilà. Et j'ai oublié de prendre son numéro, là, qu'il me demande. IMEI ou je sais plus quoi là, et j'ai oublié de le prendre, et du coup il est parti à l'école avec son téléphone et j'ai complètement oublié. Donc j'ai envoyé un mail à mon banquier, on va reporter ça et puis on le fera une autre fois. C'est pas non plus un truc hyper pressé, hyper urgent, donc voilà. Et puis franchement, avec le temps qu'il y a, ça donne tellement pas envie de sortir, de galérer à trouver une place, surtout là-bas c'est l'enfer. Donc voilà, flemme concrètement. Donc voilà, on est tranquille jusque aller chercher les loulous. Il faudra sûrement aller chercher Myron et Allison vu le temps. On va pas rentrer à pied quoi, on ira les chercher en voiture, je veux dire. Donc voilà, ça tonne les gars. J'espère que Maddy c'est pas trop en PLS et qu'elle n'a pas trop peur, parce qu'alors elle l'orage, elle a hyper peur. Quand elle est à l'école, c'est compliqué. Surtout que sa prof n'a pas l'air très tendre. Voilà, ouais. Parce que c'est pas une maîtresse qui est douce, qui est tendre. Qui est... On verra quand elle rentrera ce soir, elle nous en parlera, c'est sûr. Et puis voilà. Tu sais que je suis en train de regarder la plancha sous la pluie, enfin le barbecue à gaz, et je me dis qu'on a toujours les pochettes dans le congèle de bœuf, d'agneau et tout. Ce serait peut-être bien qu'on les fasse à un moment donné, pendant qu'on a encore quelques jours de un peu soleil. Ça serait pas mal. On était en train de réfléchir aussi ce qu'on allait manger ce soir. Parce que du coup, j'ai la réunion parents-prof à 17h quand même. Je vais être sortie de là-bas, je ne sais pas quelle heure encore. Donc, je sais absolument pas qu'est-ce qu'on peut faire. Vraiment. À moins que tu ailles chercher des steaks et tu fais cuire les rostis avec des steaks. Juste avant, tu m'as dit petit déjeuner du soir. Ah oui, mais c'est bon, du coup, tu veux? Donc, on fera peut-être un petit déj du soir. Ça aussi, c'est bien. J'aime bien. Surtout quand le temps, il est comme ça, là. J'aime trop. Je te jure. Donc, on fera peut-être ça.
Enfin, quoi qu'il arrive, il faut qu'on fasse un truc de rapide. Donc, mais purée, on n'a pas de mari par ici. Le manger dans le attaque, elle est très bien. Je préfère les baguettes de mari. Oui, c'est juste parce que c'est qu'il y a des fougasses aux olives là-bas. Tu vois, je te connais pas. Enfin bon, voilà, franchement, rien de ouf. Ça va pas être une journée hyper passionnante. Comme si les autres étaient passionnantes, Cindy. Je voulais peut-être leur faire des pancakes aussi pour le goûter, mais du coup, si on fait le petit-déj du soir, on va pas... C'est un peu bof-bof. Ils ont pris du Nutella à 4h, du Nutella ce soir, demain, ils vont plus réussir à chier. Enfin voilà, voilà. Je suis toute molle, je suis chafouin, je suis en vrac. Ah, le banquier a répondu. Non mais c'est tout nous ça. Il est, quelle heure il est? Hop. Il est une heure passée et on décide à cette heure-ci de se dire bon, on va aller se prendre un truc à manger dans une boulangerie ou une connerie comme ça, vite fait. J'ai envie de rien de spécial et tout en plus, donc c'est un peu relou. Et évidemment, ben, quand vous faites le tour des boulangeries à 1h de l'après-midi, autant vous dire que tout ce qui est sandwich, etc., il n'y a plus grand choix, quoi. Voilà. Donc on en a fait une. Voilà. L'art des pains. Il n'y a rien qui nous a donné envie. En même temps, il n'y avait pas grand chose. Le chéri, du coup, il est parti prendre du tabac vite fait. Et puis, ben, on va voir. On va peut-être se taper Marie, mais c'est pareil. Marie, à mon avis, il n'y aura pas grand chose. On verra bien, ça nous apprendra à nous décider. On a trouvé, enfin on a trouvé. Fallait pas aller bien loin. On est allé à Marie, du coup on a pris le pain pour ce soir, pour notre petite soirée, petit déj du soir. Qu'est-ce qu'il fait là? Cœur, mes cervicales, je vais te tuer. Il se prend pour Schumacher. Du coup, ils n'avaient plus de choix du tout aussi. Il y avait juste des sandwichs au camembert. Bon voilà, tu prends un camembert, tu le fais chez toi quoi. Et du coup, ils m'ont proposé de m'en faire un au poulet pour le chéri. Donc du coup, il en a pris un au poulet et je n'ai pas voulu abuser de leur demander 500. Du coup, je me suis pris une part de pizza, 4 fromages, je ne sais pas trop quoi, mais je suis dingue parce que moi, j'aime pas quand ça a 4 fromages, parce que c'est à tomate, là. Moi, j'aime bien quand c'est à la crème et c'est à la tomate. Donc, bah, on va se bouffer une part de pizza et puis voilà, ce sera très bon. D'accord. Va chercher. Bon, du coup, les loulous sont rentrés. Myron va faire ses devoirs. Il vient de goûter. Moi, c'est bientôt l'heure que j'aille. Hop, à la réunion par un prof. Et puis. Du coup, il a des exercices de maths à finir. Et après, c'est des révisions pour jeudi. Donc, il fera ça demain après-midi tranquillement. Des illustrations à faire et tout. Donc, ça pourra attendre un petit peu. Allez, go! Let's go, monsieur. Alors, exercice 13 et 15. Il faut que tu recompiles sous forme de fraction décimale. OK? Et là, il faut que tu recopies et que tu complètes le tableau en indiquant le rang occupé par le chiffre. 3 dans chaque. Ah oui, il faut que tu dises à quoi il correspond le 3 ici. À des quoi centaines, ici. À quoi ici. Ok, la main. Bon, ben voilà. Ben, tu refais le tableau. Des centièmes. Des dizaines de millions. C'est ça. Dizaines de mille. Et là, c'est 3. Là, c'est. Millième. Oui. Parce que ah oui, d'accord, j'avais pas vu que la virgule elle était là. Je croyais qu'elle était de l'autre côté, c'est pour ça que je comprenais pas pourquoi il y avait un zéro. Je croyais qu'elle était ici. Bon ben voilà, let's go. Tu fais tes deux exercices. Vous, cher ami, vous avez quoi comme devoir? J'ai deux trucs à apprendre en espagnol et répondre à une question dans le manuel de français. C'est tout? Ouais. Bon, ça va. Allez, moi de toute façon, je vais vite. Après la question en français, en fait, il y a des voilà, je sais pas si ça prend du temps ou pas. Non. Ouais, et tu verras facile, bien. Bah, je m'arrête pour jeudi. Bon, tu vois le temps déjà que ça te prend et tu verras bien après. Oh, les amis, 20h30 presque. Les loulous sont au dodo, etc. etc. Alison finit sa douche. On a mangé. Je suis rentrée une fois de plus bien tard de... Comment ça s'appelle? Réunion parents-prof. Il était 7h20, je crois, un truc comme ça. Un truc de fou.
Les profs, ils étaient encore plus blablateurs que ceux de Myron hier. C'était un truc de malade. Je me suis dit, ils vont jamais s'arrêter chacun leur tour. Mais bon, comme ça, voilà, on a toutes les infos, on a tous les machins, on a tout ce qu'il faut savoir, quoi. Et c'est fait, ça y est, c'est fini. J'ai eu celle de Miley, j'ai eu celle de Myron, j'ai eu celle de l'un. Charlie, normalement, il n'y en a pas. On n'en a jamais vu, là, ceci. Donc, ça devrait le faire. Du coup, ben, on a couché les loulous, hein, puisque ben, Miley, ça n'a pas école, mais elle va être réveillée à la même heure que les autres, demain matin. Et oui, ils ont école, donc. Et puis, voilà, demain, il faut que je fasse... Je me demande si on fait... les sols et tout demain en fin de journée, c'est comme la dernière fois, enfin, pas le soir autant tard parce que la dernière fois il y avait le machin, mais c'est genre en fin de journée, et comme ça au moins pour jeudi après on a juste le matin à remettre le robot et au moins c'est fait, tu vois. Bon, attendez, je vais m'asseoir sur le devant le ventilateur, j'ai la tête qui tourne et tout tellement je m'étouffe, je vous jure il fait hyper lourd, c'est un truc de malade. J'ai toujours dit de le faire en fin de journée, j'ai toujours dit. Ouais, mais c'est parce qu'en fin de journée, c'est le speed, mon cœur, la semaine. Mais là, demain, ils ont pas école l'après-midi. Même si c'est le speed. Non. Finisse de manger, c'est vite, c'est 15 minutes. Ouais, mais sauf qu'en fin de journée, c'est là où je suis claqué, mon cœur. Donc, c'est pour ça, du coup, que je t'ai pas dit de le faire. Oui, mais là, parce que t'es là. Mais le jour où tu vas retravailler, le jour où, quand t'étais pas là. En attendant. Eh bien. Je suis là. Je suis bien obligée de le faire. En attendant. Oui, en attendant. Voilà. Mais bon, après. Après les autres jours, il faut bien que je fasse quoi. Bref, mais comme ça au moins je me dis que ben, c'est repropre pour le jeudi, vendredi, puis on est tranquille, on a juste à mettre Maurice, tu vois, et faire un petit coup de poussière, enfin le minimum quoi. Et ça reste propre, parce que si je fais demain matin, demain après-midi, ils sont tous là. Ah, donc autant vous dire que c'est comme si j'avais pissé dans un bureau, c'est pareil. Donc ouais, ce sera pas mal. C'est une expression, tu ne connais pas de 1914 peut-être, mais c'est une expression. Enlève la jugeance de ton regard. Ce mec est toujours en train de me juger parce qu'il croit que j'invente des mots. Alors, des fois, c'est vrai. Même très souvent. Mais des fois, c'est des vrais mots. Vous connaissez cette expression, une pisse dans un violon? Rassurez-moi. Dites-moi en commentaire. Je la connais, c'est juste que tu la connais. Parce que ça ne sert à rien. C'est quelque chose qui ne sert à rien. C'est pour ça que je disais, si je fais le ménage le matin, l'après-midi, c'est mort. Ils sont tous là, ils vont tous me pourrir. Donc, ça ne servira à rien. Tu pisses dans un violon. Donc, c'est quelque chose qui ne sert à rien. Tu peux pisser dans une guitare, si tu préfères. Oh, la fatigue est en train de me prendre, les amis. Bon, bref. Si du coup... Faut bien viser, là. Je sais pas comment tu vas faire. Hein. Oh là là, on va partir dans un débat, les gars. Bref. On vous laisse, du coup, pour ce soir. Essaye, tu verras bien. Fatigue, ce mec. Ouais. Bref. On vous fait des bisous et à demain. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce petit mercredi. Écoutez, ici ça va. Charles est parti en cours. J'ai accompagné les loulous parce que le temps était un petit peu incertain. Il commençait à tomber quelques gouttes, etc. Donc Charles m'a dit, maman, il y a quelques gouttes. Hein. Donc je les ai amenés en voiture. On n'y a pas été à pied ce matin. Maïs vient juste de se réveiller il y a peu de temps. Et moi, je suis en train de me servir mon petit cappuccino. Voilà, comme ça, je vais boire ça tranquillou. On a décidé avec le chéri, comme vous avez pu le voir hier, on se posait la question, qu'on ferait du coup les sols et le ménage en fin de journée. Comme ça, au moins, ça restera propre juste avant qu'on aille au dodo. Du coup, Maïdis est en train de prendre son petit déjeuner. J'ai une fatigue qui est phénoménale ce matin depuis mon réveil. Un truc de fou. Franchement, hier, ça allait. Pourtant, j'avais relativement quand même la pêche. Voilà, je ne me sentais pas fatiguée en plus. Mais bon, voilà. Après, hein, c'est qu'une question d'habitude, j'ai envie de dire. Tu as un jour où ça va aller. Ou même dans la même journée, des fois, tu as le speed. Et puis, d'un seul coup, t'as l'impression que tu peux t'endormir debout, quoi. Toujours dans mes petites réflexions quant à mon nouveau partenaire, je suis encore dans la réflexion. En plus, j'attends de pouvoir prendre la licence. Mais je pense que je me suis quand même relativement décidée pour un partenaire bien particulier qui m'a vraiment tapé dans l'œil et que je trouve juste génial. Donc, je pense que ce sera là-bas que vous me verrez partir. Bref, mon petit cappuccino dans ma petite tasse.
The Task, même parler c'est difficile. Stitch est bon, est prêt. J'aimerais juste ce matin faire le tri un peu des médicaments. Parce que j'en ai 3 milliards de millions et la plupart je les utilise plus. Donc on m'avait dit que je pouvais les mettre dans un sac, genre cabas ou quoi, et les ramener à la pharmacie. Mais sans les boîtes. Voilà. Donc les boîtes, je les mettrai à la poubelle, hein, dans les trucs cartons recyclables là. Et je pense que je vais au moins faire ça. Je croyais qu'il s'était mis à pleuvoir, mais à mon avis, ça ne va pas tarder. Enfin bref, voilà, ce matin, je vais au moins essayer de trier mes petits... mes petits médicaments. Et on fera sûrement aussi les devoirs de Maïdis, comme ça au moins on sera tranquille cet après-midi pour elle. Voilà. Donc, allez, il est 9h moins le quart, je vais attaquer ça. Je vais finir mon petit cappuccino. Et du coup, regardez tout ce qu'il y a à trier, tout ça. Toute la caisse la remplie. On n'est jamais malade ici, jamais. Et encore que comparé à avant, c'est beaucoup moins. Je ne sais pas si c'est le fait que la maison soit beaucoup moins humide, beaucoup moins pleine de d'humidité, tout ça, quoi, ouais. Donc je pense que ça doit venir de ça. Hein. J'ai cumulé tout ça là, en 2 ans qu'on est ici. Donc je vais trier, je vais virer tout ce que je ne sais même plus à quoi ça sert, tout ça. Je vais garder que les trucs voilà, de base, les doliprane. Sirop, il faut que je vois encore à quoi ça, ils servent. Ceux qui sont ouverts, ils vont dégager. Ceux qui sont fermés, il faut que je regarde encore quel posologie c'est, tout ça. Mais la plupart, ils sont ouverts. Donc, ça va tout dégager. Je vais faire un tri de malade. Et je pense que je trierai aussi mon placard qu'il y a sous l'escalier dans les WC. Parce que c'est là où on met tout ça, toutes les boîtes de conserve, toutes les pâtes, tous les trucs comme ça. Et puis, les jouets, les machins et tout. Mais c'est pareil, on a magazine. J'ai envie de faire un tri. J'ai besoin en fait. Là, j'ai besoin de jeter plein de choses. Alors après, c'est peut-être émotionnellement et du coup, je le... Moi, c'est souvent comme ça. Hein, c'est avec le ménage que j'enlève tout ce qui me bouffe. Donc du coup, je vais faire un gros tri là-dessus. Là, j'ai aussi sorti ça. Je l'ai mis en vente. C'est mes softbox. Vous savez que j'utilisais à l'époque où je faisais des vidéos... make-up, tout ça. J'avais les grosses lumières de photographe en fait que je mettais devant et ça fait des années que je ne les ai pas utilisées, donc je vais essayer de les vendre parce que ça me prend de la place pour rien dans mon armoire là-haut. Et comme dans la semaine ou d'ici ce week-end, je veux aussi faire le tri de voilà chaque armoire là-haut, le meuble là du salon aussi, j'ai vraiment envie de faire un coup de je jette tout ce qui est mauvais, tout ce qui est plus bon, tout ce qui est voilà. Je me dégage de toute cette énergie négative là-dessus. Voilà. En même temps, c'est comme le ménage. Hein. J'étais une acharnée du ménage. Mais parfois, des fois, ça cache d'autres petites choses. Voilà. Bref, je m'y attelle parce que ça prend un petit moment. Je vais aller chercher un sac cabas et j'attaque. Alors, il ne faut pas oublier le S, un C, un Z, donc il faut pas les deux. Combien il a là? Combien? Celui-là, il est facile. C'est juste qu'il y a le O et le M. Bien le faire. C'est bon, t'as assez regardé? On attaque? Allez, go. Du coup, Maïlys est en train de faire ses devoirs, comme ça on est tranquille, il est 11h moins le quart. Il fait beau encore, ça commence à se couvrir un peu, mais bon, il y a eu un peu de soleil, un peu de... Voilà, c'est couvert, soleil. On n'a pas eu de pluie depuis ce matin, mais bon, apparemment, c'est à partir de midi qu'ils annoncent bien une après-midi pourrie, avec pluie orageuse, tout ça, bref. Donc, on verra bien. Qu'est-ce que j'ai fait du coup? J'ai trié tous les médicaments, je viens juste de finir là. Un truc de fou, un sac entier presque cabas à virer. Donc au moins ça c'est fait, on va aller le déposer à la pharmacie. Cet après-midi, le chéri va aller rendre service à la voisine. J'ai réussi à lui vendre une petite cabane là, pour enfants qu'elle vendait. Elle n'avait pas le temps de s'en occuper, de faire les annonces, tout ça, pardon. Donc, je m'en suis occupée et du coup, la cabane part cet après-midi. Le seul souci, c'est que la dame n'avait pas de permis. Elle ne pouvait pas venir la chercher. Donc, j'ai dit, écoute,
Voilà, Nasser, au pire, il prend ta voiture et puis il l'amène cet après-midi. Si on peut rendre service aux gens, c'est toujours avec grand plaisir. Donc, du coup, il va aller faire ça. Et puis, nous, on verra le déroulé de l'après-midi. On verra le temps qu'il va faire. On va voir. On se calera. Et puis, voilà. Là, ils annoncent des risques d'orage cet après-midi, apparemment, si ça n'a pas changé entre-temps. On verra bien. Voilà, voilà pour le petit planning de la journée. Cet après-midi, je vais aussi, ben, pendant que eux, par exemple, seront en train de faire la peinture, quand on aura fini les devoirs et tout de Myron, je vais aussi trier mon meuble là, d'ici, en bas, là. Et puis, au moins, comme ça, ça fera un peu de vide. Oui, mon cœur. On pourra aussi trier mes habits qui ne vont pas. Les habits qui ne te vont pas, ils te vont tous les habits qu'il y a là-haut. Oui. À part ceux d'hiver, d'été, mais ça on le triera à la fin de l'été. Okay. Et là il y a encore des journées où tu peux être en short et en t-shirt, mon cœur. Donc, donc je vous disais qu'après le meuble de là, si j'ai le temps, que je me sens, etc., je ferai aussi mes meubles de salle de bain parce que j'ai accumulé depuis 2 ans. Des tonnes de produits que j'ai testés, que j'ai pas aimés, donc que j'ai laissés. Bon, en fait, ils sont ouverts et ils sont là-dedans, ils servent à rien. Donc, je vais tout virer. Comme ça, je nettoie l'intérieur des placards aussi. Comme j'ai fait dessous le placard dans les WC, là, j'ai tout enlevé, j'ai tout rangé, toutes les boîtes, des trucs et tout. Il n'y a plus rien. J'ai nettoyé les étagères et tout. Donc, voilà, je suis contente. Il n'y a plus que mes boîtes de conserve, mes pâtes. C'est bon, maman, tout ça, fait. Quoi. Alors, assez. Chez. Donc voilà, le tri par le vide. J'ai attaqué le branle-bas de combat de ce côté-là, mais là je vais faire une petite pause. D'ailleurs, elle aussi est en train de faire le branle-bas de combat dans sa caisse où il y a tous ces trucs. Attends, à l'intérieur. Le stylet, il est quelque part dedans, ouais. Et du coup, je vais préparer vite fait pour midi une petite quiche. Voilà. Lardon, un peu comme une quiche Lorraine, sauf que j'aurai pas de jambon. Je vais mettre juste le lardon et je vais leur faire une petite quiche pour E3 vite fait. Voilà, au moins comme ça, je mets ça au four et pendant que ça cuit, je peux continuer mon branle-bas de combat. Devoirs de Monsieur Myron et Maïlys voulait faire un petit peu de peinture, donc elle va faire de la peinture pendant une petite heure là avant de goûter, vu qu'il est 3h bientôt 10. Comme ça, au moins après, ils goûteront tranquillement. Allez, la force! Wow. Non, mais pas trop. Vaut mieux que tu en rajoutes plutôt que ce qu'on jette après, ma chérie. Donc voilà, moi la technique que j'ai, c'est que en fait, sur toute la partie de la table où elle fait, vous avez vu, je mets du papier comment ça s'appelle, étirable là, vous savez. Comme ça, au moins, ça ne va pas sur la table. Parce que plusieurs fois... La force Parce que plusieurs fois, j'ai eu le tour d'avoir de la peinture sur la table. Et ça ne part pas correctement sur cette table. Donc, c'est la galère. Moi, ce que je vais faire de ce temps, c'est que je vais commencer à préparer le petit repas, on va dire, pour ce soir. Donc, ce que je vais faire, c'est que... j'avais fait voir ça sur Instagram déjà, mais je crois que vous ne l'avez pas fait voir vous sur les blogs, je ne me rappelle plus à vrai dire. Je viens prendre, bon ça c'est des baguettes d'hier, mais bon vu qu'il pleut, elles sont encore bien molles. Et vu que ça va passer au four, on s'en fout un petit peu de savoir, voilà, dans l'état qu'elles sont. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper l'intérieur là, creuser mon pain à l'intérieur. Et à l'intérieur, ensuite, je vais mettre des tomates cerises, des lardons, des petits morceaux de fromage à raclette, du gruyère, de la crème fraîche d'abord, avant le gruyère. Le gruyère, c'est en dernier. Bref, de toute façon, vous allez voir tout ça, je vais vous faire voir. Et après, je mets ça au four et on les coupe en tranches. Et on mange ça tranquillou avec des petites tomates ou de la petite salade ou un truc. Donc, je suis venue prendre un couteau à dents, j'ai creusé le milieu de mes baguettes, j'ai enlevé... bien évidemment, ce qu'il y avait, hein, la mie, tout ça. J'ai fait pré-cuire des lardons, donc pour 2 grosses baguettes comme ça. Moi, j'en ai mis, vous savez, c'est des paquets où c'est double. J'en ai mis un entier où il y en a 2, plus l'autre moitié, donc un petit troisième.
Donc voilà, j'ai mis ça à l'intérieur. Là, je vais venir mettre mes petites tomates cerises que je coupe en deux. Je vais venir en mettre dessus, vous allez voir. Donc voilà, comme ça, il n'y en a pas besoin de 500 non plus, hein, comme vous pouvez le voir. Du coup, moi, je vais venir sur une des deux. Donc, c'est celle qui est plus profonde. Je vais venir couper des petits morceaux. Je vais enlever celui-là parce qu'il est un peu sec. Ça ira à Monsieur Phoenix. C'est pas grave, il sera bien content de l'avoir. Il a entendu son nom, ça y est. Il est déjà là, regardez. T'as entendu Phoenix, ça y est, t'es là toi. Donc je coupe des petits morceaux hein, de fromage à la va-vite, sans se prendre la tête quoi. Et je vais venir les glisser, hop, mais que dans une, hop, voilà, en petits morceaux. Voilà, vous en mettez autant que ce que vous voulez, moi ce qui était sec, regardez, hop. Il y en a un qui attend déjà, ouais, assis c'est mieux. Couché. C'est bien mon chat. Enfin, mon chat. Hein, c'est compris. Et voilà, monsieur, c'est fini. Donc, maintenant, je vais venir dans un bol mélanger de la crème fraîche, du sel, du poivre, de la ciboulette. Je mélange et je viens en mettre par-dessus ça avant de venir... Juste pour un vélo qu'il y a sur la... Oui, si tu veux mon cas. Avant de venir mettre le gruyère. Et après, il n'y a plus qu'à mettre au four. Vous pouvez les fourrer à ce que vous voulez, du bacon. Si vous voulez pas mettre de lardon, vous pouvez mettre des dés de poulet ou des allumettes de poulet. Le chéri, c'est ce qu'il met d'habitude. Vous pouvez mettre du thon. Vous pouvez, à la place du fromage dessus, parce que bah, le chéri n'aime pas le fromage non plus, ni la crème fraîche. Donc lui, il se casse un œuf dessus, qu'il assaisonne et qu'il met par-dessus. Bref, la dernière fois, il s'est régalé aussi. Vous pouvez vraiment le fourrer à ce que... Vous. Donc voilà, une fois qu'on a mis la crème fraîche, ce que ça donne. Et maintenant, on vient mettre la blinde de gruyère. Très, très calorique encore, bien évidemment. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Mais il suffit d'en manger, voilà, juste ce qu'il faut. On n'est pas obligé de s'en gaver et de bouffer une baguette entière. Et ben voilà, plein de gruyère. Et je vous fais voir juste après. Et ensuite, vous mettez au four à 180 degrés jusqu'à ce que tout soit bien doré. Je me suis occupée de mon linge, j'ai pris la douche à Malice, je lui ai lavé la tête, je lui ai fait la petite coiffure que vous voyez toute pourrie. Mais c'est parce qu'elle avait les cheveux tout frisés de même, donc du coup on lui a fait 4 petits chignons. Ça avait super bien marché, ouais. Donc du coup je lui ai refait ça. Il y a ma voisine qui est venue entre temps nous demander si on pouvait lui déhousser le siège auto parce qu'elle n'y arrivait pas. Donc je me suis occupée de ça aussi, j'attends qu'elle rentre du travail, je vais lui ramener avec ses sous. Du coup on a réussi à lui vendre sa cabane, je suis contente. Sinon je vous faisais voir que moi j'étais en train de manger ça. Donc c'est 2 yaourts brassés que j'ai mis avec 15 g de miel, 20 g de graines de chia et puis il y a un petit mélange de noix, comment ça s'appelle, graines de courge, graines de tournesol, voilà, bref. Parce qu'en fait, j'ai repris donc le rééquilibrage alimentaire, mais en plus du rééquilibrage alimentaire, je remets en place le jeûne intermittent que je faisais. Donc en fait, là, je mange jusqu'à 17h. Bon, là, ce sera 17h15. Je mange jusqu'à 17h et ensuite, je jeûne jusqu'au lendemain matin, 8h. Donc là, bah, ce sera 8h15 que je prendrai mon petit-déj demain. Et c'est vrai que ça m'avait vraiment fait du bien niveau perte de poids et niveau dormir mieux, me sentir moins lourde, tout ça. Donc... on va réattaquer et puis on verra bien, parce que là niveau poids, comme je vous dis à chaque fois, c'est plus possible quoi. Je ne sais pas ce que c'est qui m'a fait prendre autant de poids. Enfin si je le sais, c'est la bouffe, je faisais que bouffer. Donc à longueur de temps, si normalement on a droit à peu près 1800 calories. Avec le secret du poids, ils disent que en dessous 1800 on perd, au-dessus on prend, si on reste à 1800 on reste stable, bref. Le fait est que, en fait, tous les jours, je crois que je suis à presque 3000 calories. Voilà, en clair, soyons clairs, hein, entre nous. Donc, c'est pas de la prise de poids pour des conneries, quoi, ou dans le vent, sans savoir pourquoi. Donc, je vais reprendre à manger correctement. Et là, ensuite, si je vois que ça descend pas, je pourrais dire qu'il y a un souci autre que la bouffe. Mais en attendant, pour moi, ça vient de la bouffe. Donc, c'est reparti pour le petit jeûne intermittent. Là, Charlie va prendre son cas d'ici 2-3 minutes, je pense. Et puis, après, je vais la récupérer. Qu'est-ce qu'il y a? Il souffle sur une mouche. C'est pas sur toi qu'il souffle. N'importe quoi. Mais tu sens tes de l'air, ça va pas te faire envoler, ma fille. Tu sais, t'es pas en sucre. Et donc, je m'arrête à Inter pour prendre de la salade et des petites tomates. Parce que des petites tomates, il en reste quelques-unes, mais il n'en restera pas assez pour faire avec les baguettes.
Et puis voilà, la journée sera enfin terminée. Bon, je vous reprends pour clôturer ce petit vlog. Il est 9h-20. Du coup, j'ai commencé à monter. Du coup, là, il me reste que quelques parties à monter. Et au moins, je serai tranquille pour demain. Ce sera fait. Il sera en ligne à la bonne heure, etc., etc. Le chéri est en train de faire les sols. Non, je t'ai pas filmé. Je t'ai pas filmé, t'inquiète pas. T'as le dos, ça coule, mon amour. Il fait une chaleur, une lourdeur, je dirais même, incroyable. Vraiment, c'est un truc de fou. Dehors, il y a des éclairs dans tous les sens, devant, derrière, sur les côtés. Ça arrive de toutes parts. Je sais pas qu'est-ce qu'on va se prendre sur le coin de la tronche si on se le prend, mais à mon avis, ça va être quelque chose. Donc, ben, on verra bien. On verra bien comment ça va se passer la nuit. Vous verrez ça, vous, dans le vlog de dimanche. Et puis voilà. En tout cas, écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous, ça a été tranquille. Je suis contente. J'ai fait tout le tri des trucs que je voulais. Il ne me reste plus que notre armoire à trier. Et tout le reste, je l'ai fait. J'ai nettoyé l'intérieur des placards et tout. Et j'essaierai aussi, peut-être d'ici la fin de la semaine, de un matin, bonne heure ou quoi, de sortir tout ce qu'il y a des placards de la cuisine. Et pareil, nettoyer lingette, nettoyer les placards, quoi. Donc comme ça, au moins, ce sera fait. J'aime bien. J'aime bien quand c'est propre comme ça. Donc écoutez, ben voilà, rien de plus. Hein. On n'a rien fait de fou. Je suis allée à la rentrée du lycée, machin, tout ça. J'ai fait chauffer les... Ah, je vous ai pas fait voir les baguettes une fois cuites. Bon, ben après, voilà, le fromage avait fondu, les baguettes étaient cuites, quoi. Et ils se sont régalés avec une petite salade et des petites tomates. Et c'était très, très bien. Et voilà, rien de plus. Un papillon veut rentrer dans la maison. Je l'ai vu voler sur la fenêtre. Enfin, voilà, quoi. Allez, je finis de monter, du coup, cette partie du vlog. Comme ça, je peux m'enregistrer. Parce que le temps qu'elle s'enregistre sur l'ordinateur, maintenant, c'est ça qui prend le plus de temps. Ah oui, d'ailleurs. Oh, mais je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui vont pouvoir me renseigner. J'ai envie de retélécharger les Sims sur mon ordinateur. C'est des trucs, un truc en ligne. Donc, j'ai mes codes, etc. Ça me retélécharge. Comme si je l'avais acheté, quoi. Sauf que mon ordinateur, c'est un Mac et ça me dit tout le temps qu'il n'y a plus de place. Dès que je fais les montages, que j'exporte, j'importe mes séquences, tout ça. Et j'ai de 2,99€ par mois que je paye le cloud, je ne sais pas comment on dit ça chez Apple, bref. Mais comment faire pour que je balance le jeu, pour pas qu'il prenne de place dans mon ordinateur, mais qu'il se balance sur le truc, le cloud. On s'en fout de la prononciation en vrai. S'il y en a qui savent, là, eh ben, écoutez, mettez un petit message. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais mettre les messages en approbation. Je validerai chaque message par mes petites mains. Parce que j'en ai marre d'avoir des cons sous mes vidéos qui sont en train de se bouffer de jalousie ou de je ne sais quoi. Et qui ont que ça à foutre de nous agresser d'un coup comme ça, sans crier gare. Donc, aux cons qui passeront prochainement sur les vlogs, dites-vous bien que vos messages n'apparaîtront même pas. Ouais. Puisque, bon, YouTube, au bout d'un moment, c'est bien gentil, mais bon... Hein, je crois que sous toutes les vidéos, de toute façon, que je peux regarder des copains, des copines, peu importe, il y a toujours des cons qui critiquent, qui jalousent, qui bavent, qui... C'est un truc de malade. À croire les gens, en fait... YouTube, c'est leur vie. Ils croient le portefeuille des youtubeurs, c'est leur portefeuille à eux. Ils croient les revenus des youtubeurs, c'est les revenus de eux. C'est un truc de malade. Donc maintenant, j'ai décidé, je vais bloquer, pas bloquer les commentaires, parce que vous pourrez commenter, mais je les mettrai à approbation et je les validerai au fur et à mesure en répondant comme d'habitude à chacun, etc. Même aux cons, des fois, je réponds. Vous avez vu comment je suis gentille? Bref, on vous fait des bisous. Moi, je vous retrouve demain devant la caméra et dimanche pour vous. Ciao, ciao! Alors, juste ici, tu peux retrouver tous nos réseaux sociaux. Je t'ai mis Instagram en premier parce que c'est celui où je suis le plus active. Tu verras aussi que tu peux cliquer juste là sur ma tête pour pouvoir t'abonner et suivre toutes nos aventures. Et juste là, tu auras donc notre dernière vidéo. À très vite!